Exactement, je pense qu'à Lisbonne, on était dominé, mais après, on a eu quand même quelques situations très, très, très intéressantes aussi pour justement sur d'autres contre, demi-contre, de pouvoir menacer un peu plus. Après, c'est cruel quand vous prenez. Après, je pense que les garçons, ils ont quand même travaillé beaucoup d'énergie. Et puis, voilà, arrivé au match nul, ce qui était très, très intéressant pour nous dans notre situation. Voilà. Vu aussi le déroulement des matchs dans lequel on était assez bousculé, surtout au deuxième mi-temps. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, malgré qu'aujourd'hui on a eu quand même 4 mais vrais, vrais attaquants en aligné, malheureusement on n'a pas pu créer plus de situations et surtout plus d'occasions. Mais je pense qu'il faut surtout je dirais rester fidèle et s'appuyer sur ce qui était bien et continuer à bosser parce que vous voyez, ça joue sur pas grand-chose. Je pense que ça peut vite basculer à notre côté, en tout cas j'espère. Mais c'est dommage parce qu'on a quelque part mérité vu notre énergie qu'on a dépensée. Et aussi on a jamais refusé de jouer. Mais un petit match nul, ça aurait été très très bien pour nous ce soir. Merci. 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 Sans doute que ce but récompense un match maîtrisé de la part de nos joueurs. Ouais, c'est bien, bien résumé. On a le mérite de toujours y croire, de toujours essayer de proposer des choses, de vouloir passer par les côtés contre un bloc très regroupé, très hermétique. Voilà, on a été récompensé parce qu'on l'a mérité tout simplement. On a eu un poteau, je crois, des ballons qui sont passés devant le but. Après, malgré tout, avec beaucoup plus de justesse technique, on aurait été bien meilleur. Après, vu la débauche d'énergie, je suis fier de mes joueurs et content pour eux parce qu'on savait que c'était un match charnière, un match qui allait compter pour la suite. Et ça va nous permettre aussi de préparer la venue du leader avec beaucoup d'ambition. Donc, je les félicite parce que même si on n'a pas tout fait bien, on a le mérite de toujours s'accrocher et d'y croire. Et ces 3 points vont être importants pour la suite. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Plus de 10 corners pour Valenciennes, Ouais. aucun pour Paris. Ouais. Ouais, après, malgré tout ça, ils n'ont pas forcément été tous bien tirés. On a centré aussi beaucoup, beaucoup de fois et on n'a pas été assez dangereux. Mais bon, cette équipe est jeune. Hein. Y a beaucoup de jeunes joueurs. C'est en progrès. C'est en demande. Donc, il y a beaucoup de positifs malgré tout ce soir. Ouais. Votre chiffre avant le penalty finish, je crois que vous étiez à 15 tirs. Ouais. Pas non plus si souvent, mais non. Plus 3 ou 4 heures, je crois. Ouais. Avec ce penalty, évidemment, le bilan est bien plus positif, mais c'était encore une fois le match typique, finalement. Ouais, après, L'occasion, mais pas de. c'est ça, on manque d'efficacité offensive. Après, je pense que celle-là va nous faire du bien aussi dans ce qu'on veut faire et ce qu'on veut proposer. Et ça récompense la débauche d'énergie des joueurs. Sur la fin, on a quand même fini avec quasiment 6 joueurs offensifs. Voilà, on a tout fait pour aller la chercher. Et j'étais vigilant à la moindre petite erreur parce qu'on aurait pu aussi se faire sanctionner sur un mauvais coup. Mais c'est bien. C'est bien, ça valide le travail. Je l'avais dit avant match que cette victoire allait conditionner pas mal de choses. Et si on arrive à toucher la barre des 30 vendredi prochain, on aurait fait une grosse première partie de saison. Et on sera dans la bagarre pour la suite. Maintenant, il nous reste un match à bien négocier. J'espère que notre public viendra nombreux pour voir cette belle affiche. Sur le but, enfin, sur le penalty, Ouais. c'est Guillaume qui lance Kevin Cabral, donc Ouais. les joueurs qui sont rentrés. Ouais, c'est important. C'est important pour que la concurrence
Mais j'avais beaucoup appuyé dessus pendant la semaine et aussi pendant le briefing d'avant-match que on devait gagner des matchs aussi avec les garçons qui venaient du banc. Parce que j'avais la volonté qu'ils soient importants. Et ils sont importants. Ils doivent nous permettre de faire basculer les matchs, avoir envie de nous faire gagner, tout simplement. Et c'est vrai que je suis pleinement satisfait des trois rentrées, que ce soit le petit Boutou Taou qui fait son premier match aussi en professionnel. Voilà, il y a plein de signaux positifs, c'est bien. Et on va bien récupérer, bien la savourer, mais dès lundi, il faudra repartir à la bagarre. Ouais, mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À nous de continuer cette dynamique, de continuer à avoir l'envie d'aller chercher la gagne sur chaque match. Là, on a un gros morceau qui se présente, mais ça va permettre aussi à mon équipe encore de s'auto-évaluer, de continuer à progresser. Et là-dessus, il y a plein de positifs. Il y a plein de positifs. OK. Olivier, juste une dernière question. En parlant de positifs, ouais. Il y a un truc super sympa à la famille. Il y a tous les joueurs qui vont chercher une banderole. Ouais, j'ai vu. Pour rebondir sur un incident du derby. Et là, on retourne les choses. On prend ça avec le sourire. Ouais. On a vu sur les écrans, dans le vestiaire, ouais. Tous les joueurs posés avec cette banderole. Ça traduit une chose au niveau de l'état d'esprit. Ouais. Ouais. Oh, j'ai un groupe qui est top, on l'a construit, on a créé un état d'esprit, après il faut le cultiver. Bien sûr que les résultats nous aident à la cultiver, mais même dans nos moments qui étaient dans notre temps faible il n'y a pas si longtemps, on a gardé le cap et j'étais très vigilant là-dessus, parce que pour moi, un groupe qui vit bien fera forcément de grandes choses. Et je l'ai vécu à Grenoble avec deux montées successives et c'est vrai qu'on avait créé du lien. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il faut le cultiver, il faut le garder parce que ça, c'est pas facile à créer. Mais ouais, il dégage beaucoup de positifs, c'est intéressant. Parce que ça, les entraîneurs en parlent de moins en moins. Aujourd'hui, ce qui est dans le vestiaire, voilà, c'est dans non. Il y a la tactique, il y a la préparation du match, etc. Mais l'état d'esprit. Ouais, c'est important. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'aime avoir du lien avec mes joueurs et j'aime que mes joueurs aient du lien avec moi. Donc, voilà, on a un staff qui est assez jeune aussi, des anciens joueurs avec une grande expérience. Donc, les joueurs sont demandeurs, sont à l'écoute et c'est vrai qu'on ne forme qu'un. Et ça, c'est dans les moments difficiles, c'est très intéressant de pouvoir s'appuyer sur notre état d'esprit. Maintenant, je le répète, c'est fragile, il faut continuer à le cultiver, c'est important. Merci beaucoup à vous, bonne soirée.